maintenant. Développer les pays, puisque les Occidentaux, après la guerre mondiale, ils ont utilisé cette politique d'aménagement des territoires, qui est l'aménagement des territoires, qui est les qui se couchent des développements. La parole aux femmes. Et maman, quand tu entends comme ça, regarde là. Comment tu te sens? Tu dis, mais pourquoi pas moi? Alors pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire pourquoi pas moi, millionnaire? Mais pour ce que vous faites, n'est-ce pas? Allô? Bonjour. Moi, c'est M. Blanchard Atela. Je suis ingénieur en mécanique de production, chef de travaux à l'État Kinshasa, aussi député provincial dans le Kwilu. Je suis apprenant au troisième cycle de ce format. Merci. Voilà, il est là, ingénieur, honorable et tout ça. Il est là, dans ce pommade-là. Quel est votre secret? Nous allons vous laisser. Et voilà, il est même à votre rang. Mais nous, chez nous, on dit, et il a été là pour... Intervention transactionnelle sur l'évaluation. On appelle ça intervention transactionnelle. C'est-à-dire, c'est un débat, échange d'idées. C'est une sorte de tempête d'esprit. Chacun dit ce qu'il pense dans l'évaluation. Et cela en fonction de son orientation. OK? Ce qu'on appelle transactionnel, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle analyse transactionnelle, c'est-à-dire vous posez un problème, vous laissez chacun émettre son avis. Et parfois, il arrive de ceci, est-ce que nous devons partir oui ou non? Ceux qui sont pour oui, il y a un qui dit moi. Ceux qui sont pour non, c'est l'autre. Avancer des arguments. Ceux qui disent oui. Ça y est? Oui. Ils avancent des arguments, ils avancent. Ceux qui disent non, ils avancent des arguments, ils avancent, c'est fini. À ce moment-là, à un certain moment, vous commencez à contre-croiser les arguments. Jusque arriver à ce qu'on appelle un changement. C'est-à-dire changement, c'est-à-dire regarder dans le même sens. Les autres parleraient de réconciliation ou de changement. Mais ici, nous disons changement. Alors, tenez pour ici. Je crois même ceux qui sont en train de goûter les oreilles ne refusent pas d'entendre. Non. Très bien. Et la voix porte. Et toi là, tu as entendu. Il a dit 9 positifs. 10 positifs. 10 positifs. 9 négatifs. La conclusion est que des 10 que nous avons reçus ici, il y a, parce que ici c'est homme-couple, c'est-à-dire une personne donne 3 possibilités. Ça y est? C'est comme s'il y avait 3 personnes. Vous entendez ça? Alors à ce moment-là, nous faisons des calculs. Nous disons, c'était 9, hein? 9 positifs. 10 positifs. 10 positifs.
Donc nous disons 10, c'est-à-dire 10 sur 30, 10 sur 30 ont l'aptitude naturelle d'entrepreneuriat, de management, d'aimer l'argent. Ceux qui sont neutres, ce sont ceux qui sont travaillés par la culture, généralement, on dit acculturation, généralement, pour nous, c'est religieux, catholique, qui disait, il faut être pauvre ici-bas pour devenir riche ou au ciel. On n'a jamais dit là où se trouvait le ciel. Donc l'homme reste seulement un peu douteux. Eh bien, il dit, oh les cambotés. Donc l'autre, dans d'autres termes, c'est un gars qui, quand l'eau souhaite dans sa maison, vous me suivez là, oui. Dis, oh, moi, oh. Je vais faire passe, hein. Je vais vous pointer du doigt pour que vous puissiez répéter ce que j'ai dit. Dans la maison sointe, quand il pleut, ça sointe, il prend un seau, il met là. Il récolte ces eaux-là. Quand la pluie s'arrête, il fait quoi? Il jette l'eau. On lui pose la question, est-ce que vous avez résolu le problème? Il n'a pas résolu le problème. Parce que quand il y aura une autre pluie, qu'est-ce qui va arriver? Ça va sointer encore. Alors, mais il se plaint de ça. Comme l'eau ne peut passer pas bien partout, ça reste dans le seau, alors il va jusqu'au moment où le seau va se déborder, là ce serait un autre problème. Mais c'est un homme neutre. Alors un négatif, c'est vraiment celui qui va, on dit, le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc lui ne voit que le vide, le négatif. Il dit, mais vous êtes tous des médiocres. Mais vous oubliez de dire que si un enseignant dit que tous les étudiants sont médiocres, c'est que lui est le meilleur des médiocres. Lui est le meilleur des médiocres parce qu'il est en train de distribuer la médiocrité. On a connu ça. Alors on sait précisément, madame, elle a dit, souvent elle disait qu'il y avait un enseignant qui enseignait le français aux enfants. Il disait quoi? Management. Trésor. Un enseignant de français. Il enseigne aux élèves. Bon, chaque jour, il travaille avec l'enseignant. Mais un jour, l'inspecteur s'amène. L'inspecteur de l'école primaire. Il entre dans la classe pendant que l'enseignant était là, les élèves étaient présents. L'enseignant prend un livre pour tester les élèves. Chacun prend son bic, son papier, et l'inspecteur devait dicter. C'était la leçon de dicter. L'inspecteur passe devant et dit, comme on fait à l'école primaire, écrivez. Jean a un chien, un chat. Il élève et regarde. Il répète. Jean a un chat. Comme on dit à l'école primaire, oui. Que les élèves puissent bien entendre. Personne n'écrivait. Deux, trois fois, pareil. Alors l'enseignant se lève. Il dit, s'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, je peux dicter? Il dit oui, mais l'inspecteur n'a pas compris pourquoi les élèves n'écrivaient pas. Alors l'enseignant prend son livre. Il passe avec autorité. Écrivez, je dis, Zion a un Sia. Alors tous les élèves, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu.
Zion et Sia. Tous les élèves écrivent. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Jean a un chat. Mais ils prononcent Zion et Sia. C'est du chinois, ça. Il est mieux. Les lecteurs ont pris une note et l'enseignant a eu une mauvaise note. Il ne pouvait pas continuer à se dire comme ça. La leçon est meilleure des médiocres. Parce que tous les élèves là-bas croyaient que notre enseignant c'était super. Alors il est en train de transmettre la matière. Mais quand on met le super là en doute, finalement, elle est là. Et c'est pour dire quoi? Si les apprenants n'ont pas appris, c'est que l'enseignant n'a pas enseigné. Pourquoi je suis avec vous? J'ai dit, vous êtes tous des imbéciles. Parce que vous n'avez pas réussi à mon examen. Et à l'université, nous parlons de professeurs à colonne rouge. Vous voyez ça ici? Et finalement, comme tu disais, la colonne rouge, moi je décide qu'on puisse donner 5 points à tout le monde. Comme ça, au moins, celui qui a 5, il se retrouve à 10. Celui qui avait 14, il se trouve à 19. Ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas été injuste. Parce que j'ai donné 5 à tout le monde. Mais pour sauver tout le monde. Parce que toi, là, qui distribues seulement le rouge, là. J'ai l'impression que tu leur cachais quelque chose, ou bien tu enseignais mal. Bon, ça c'est le débat qu'on fait pour pouvoir, dans notre cours de pédagogie universitaire, apprendre aux enseignants à enseigner. Bon, nous faisons ça en classe. Mais la leçon ici, ça signifie, nous avons dit, il y a combien? 9 positifs. 10 positifs. 9 négatifs. Donc, s'il y a 9 négatifs et 9 neutres, ça signifie que 10 sur 30 ont déjà des aptitudes à naturellement à devenir entrepreneurs, à chasser ce qu'on appelle les salaires. Ils veulent remplacer les salaires par l'entrepreneurship, par les monuments. C'est-à-dire gagner en fonction de ses efforts. C'est naturel. Par exemple, ton père a été commerçant depuis longtemps, tu as travaillé avec lui. Quand tu grandis, tu as tendance aussi à devenir commerçant. Si tu ne vas pas chercher ici, ça arrive. Alors, les restes, ça signifie que le neutre, c'est le fonctionnalisme passé. C'est-à-dire, c'est la bureaucratie. La loi dit que conformément à la loi. Mais la loi a dit qu'au Congo, le mariage est monogamie. Mais le jour que le président de la République a fait sortir tous les prisonniers de Makala, parce qu'il n'y avait plus de place, on est inventorié, on regarde des fonds. Il n'y a aucune personne qu'on a fait sortir de Makala pour l'avoir arrêté pour la polygamie. Or, si vous regardez la cité, le nombre de bureaux qu'il y a. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Ouais. Je n'ai rien dit. C'est une réalité. Hein. C'est pour dire que la loi est appliquée par les hommes. Alors, à ce moment, il faut retenir ceci. La loi, la différence entre le juridique et le management, c'est que le juridique est normatif. Mais le management est pragmatique. Normatif. Oui, normatif, c'est un problème de normes. Alors, notre programme. Ce programme se trouve dans un kit.
voudrais demander à l'ingénieur, il faudrait peut-être commencer par présenter tout ce monde-là. Ça va venir.